aujourd'hui? For your glory. Salut, 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 c'est Francis Conan encore une fois dans une vidéo réaction. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté, 2 à 3 jours. Et voilà, donc souvent le corps se fatigue, il faut se reposer et puis il faut aussi donner le temps aux auditeurs et à ceux qui me suivent de pouvoir digérer aussi, de pouvoir admirer d'autres vidéos. Il ne faut pas balancer pour balancer, il faut laisser le temps au temps. Alors, il faut donner le temps au temps à ceux qui commandent, à ceux qui regardent, à ceux qui partagent. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des meilleurs moments de technique vocale. Ces meilleurs moments de technique vocale, pour moi, ont quelque chose de particulier. Et ce sont des moments où quand le chante ou la chanteresse, comme maintenant on nous a appris, quand ces personnes-là chantent et il y a un éclat, il y a une étincelle qui sort, qui ne peut pas rester indifférent à tout un chacun, c'est ce que j'appelle les moments de technique vocale. Parce que très souvent, ces moments d'éclat, d'étincelle, ce sont des moments où le chanteur ou celui qui performe le chant ou le chante ou le candidat ou la candidate, ce sont des moments où ils font des choses vraiment spécifiques à la technique vocale. Et on va écouter, on va, si vous voulez bien, voilà, donc en position numéro 10, il y a la sœur Pauline, on va l'écouter. Oh, ok, dès que tu es prête, tu peux commencer. So ki na sui ngolu e pa na yo yo ka le lo mo. J'aime le thème, oh ma chaise, oh. J'aime le thème de sa voix. J'aime vraiment le thème de sa voix, un thème vraiment particulier. Tema nanga na humeli hawa. Ça c'est bon. Posa komona ya na la pindai na koti kayo de bona yesu na dimi nanga nyonsa. Ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. For your glory. Oh. Come on, voilà. Sing it, baby girl. Voilà, donc ces moments de technique vocale, très souvent, ce sont des moments où le candidat ou la candidate, ce sont des moments où ils font des harmonies. Ils ne chantent plus le chant dans sa façon, dans sa progression naturelle, mais ce sont des moments où ils font des harmonies. Ce sont des moments où ils font des harmonies et on voit la qualité d'un chanteur dans ses harmonies, quand il fait ses harmonies, parce qu'il est très facile d'aller hors gamme, il est très facile de chanter hors note. Et c'est pour cela que ce sont des moments de technique vocale qui sont très importants. Voilà, donc ça, quand le chanteur ou quand le candidat chante dans les harmonies, il faut faire attention. Et donc ça, c'est notre candidat Pauline numéro 10. Et il faut la surveiller de près. Elle n'a pas pu se qualifier pour Malaika, mais ce sont des candidats sur lesquels je vais faire une vidéo prochaine sur les espoirs de l'année prochaine ou de la saison prochaine. Ceux qui n'ont pas pu se présenter, très souvent de très jeunes candidats, que je vais appeler les espoirs de la saison 2. On continue. Oh, yes. C'est bon. Oh, ça c'est merci bon. Merci Pauline. Merci Pauline. I call it to your knowledge in your will for me. What you say you have done, I just need to align on. Because you are not a man that changes your mind, oh. No, though
I know you trust in you. Nothing else is a chariot. By the arm of flesh, no man can prevent. Ok, ça c'est Vanessa Bizzi. La force de Vanessa Bizzi, et si vous regardez sur votre écran, comment Deborah et Mike sont vraiment attentifs. Là, ça c'est la force de Vanessa. Lorsqu'elle chante, elle vous vole l'attention. Et ce chant, cette prestation n'était pas trop technique. Mais pourquoi je l'ai qualifié, pourquoi je l'ai mis sur ma liste, c'est à cause de cette habilité-là de Vanessa de captiver l'audience. Et ça, c'est aussi une technique vocale. C'est parce que la technique vocale, c'est parce que sa voix, sa technique vocale est vraiment pure, ça vous attire, ça vous incite à l'écouter. Et elle fait beaucoup de variations. On va l'écouter. No man, no man, no man, no man. Ma confidence is you. What is hard for you? It can never exist, oh, oh no. You do no lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, hey. It can never ever exist, oh, oh. Regardez le visage de Mike. Quand quelqu'un chante avec ce genre de précision et ce genre d'harmonie, il est difficile d'être distrait. Those I know you who trust in you, not in a season chariot, by the arm of flesh, no man can prevail. Hey. Ask Abraham. Voilà donc, c'était Vanessa Bizzi. Il y avait moins de techniques, mais le peu de techniques qu'elle a utilisées, elle a chanté juste. Mais surtout, ce qui m'a attiré dans cette prestation, c'est sa capacité de vous voler l'attention. Lorsqu'elle chantait, Mike, Deborah, tout le monde était attentionné. Parce qu'il y avait de la substance. On continue, ça c'est Alice. Voilà, ici vous constatez vraiment qu'il y a eu, il y a maintenant l'application de la technique vocale, de la respiration, de la maîtrise des lignes. Vous voilà, respiration. Voilà, ce genre de technique-là est très difficile parce qu'on peut finalement, ou on peut facilement tomber dans la criade. Donc crier et ne pas faire de musique. Ou crier mais ne pas produire une mélodie agréable. Mais ici, la sœur Alice, elle le fait tout en maîtrisant la mélodie, tout en criant, tout en élevant la voix. Elle crie, mais elle chante et les notes sont justes. C'est pourquoi j'ai appelé ce moment le moment de technique vocale. Bonjour. Eline Kouela. Oui. Comment vas-tu, mon ami? Oui, par la grâce. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? L'interprétation Nalingio. Vas-y, Eric. Tu veux m'accompagner? Justement, il y a quelqu'un qui va t'accompagner. Très bien. Do dies. Monte manange zayayo Nami pesimo bimba Lokumu pe nakembo Ezongana yo Nakumisi seyo Nagumba me Lio okolona yekolo bahete na lingio.
Ok, ça c'est Elim Kwela. Comme vous l'avez remarqué, il a une parfaite maîtrise vocale, une technique vocale pure. Ses fins sont saines. Ses lignes harmoniques sont vraiment claires, pures. Il n'y a pas de doute. Quand il commence une ligne, il la termine. Et il a une façon d'harmoniser qui est vraiment unique à lui. Et voilà, Mike va lui demander d'aller dans le refrain pour voir s'il peut monter. Ça, c'était une erreur de Mike. Oh, oh, oh. Refrain. Ok. Color nalingi yo, nalingi yo. Voilà, donc ça c'est vraiment, il a une bonne maîtrise vocale, surtout quand il va dans les vibes, dans les montées, et lorsqu'il chante la lingueyo, parce que c'est la partie la plus difficile de ce chant. Beaucoup de gens ont raté cela, beaucoup de gens ont réussi en chantant les contours de notes, c'est-à-dire qu'il y a, avant d'atteindre la note principale, tu peux aller en bas, en haut, mais terminer sur la note qui vient. Na lingi ho. Voilà, donc, et ça, il a vraiment, il n'a pas fait cela, mais beaucoup de gens ont fait cela, mais lui, il est resté vraiment fidèle au chant, mais tout en imposant la puissance de sa voix. Merci. Colo. Tu chantes bien, Eric. Voilà, quand je pense que ce frère a été repêché, Dieu ne ment pas vraiment. Quand le talent est là, on peut t'oublier, mais on finit par te repêcher. Et comme je l'ai toujours dit, faisons attention à ce qu'on a repêché. Il y a une grâce particulière sur eux. David a été repêché. Il a fini par être celui-là même qu'Élie a raté. Voilà. Non, que. Oui? Que le prophète Samuel a raté. Voilà, donc, et là, c'est un David que vous voyez devant vous, repêché, mais qui a de l'avenir. On continue. Alors, dis-moi, tu as quel âge? 30 ans. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Oh yeah, yeah. My hallelujah belongs to you. Oh. Voilà, c'est ça on appelle technique vocale. Une parfaite maîtrise des harmonies. Tu chantes le chant de sa façon naturelle. Et en deuxième couplet, voilà, tu t'envoles dans les harmonies. Et ça, Stevie, parfait. Oh, 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 my hallelujah belongs to you. Can you sing with me, you deserve? You deserve it. Écoutez, écoutez. You deserve it. Yeah. Okay. Voilà, regardez la main de Cédric, il dit c'est ça, c'est ça. Regardez maman Sandra, le pied en train de jouer au football. Regardez maman Anto, elle ne s'en revient pas. Regardez moi-même actuellement, c'est ça qu'on appelle maîtrise, une maîtrise vocale parfaite. Il est en train de crier, mais dans sa criade, ça c'est un mot que j'ai inventé, dans sa criade, il reste dans la note. Et ça fait la beauté. Merci. Je peux avoir son nom. Voilà, donc c'est ça. Stevie. Stevie a démontré ici que c'est un chanteur qui est excellent, qui maîtrise l'harmonie. Et
Pourquoi Mike? On va écouter le commentaire de Mike et je vais vous raconter l'histoire. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, voilà, ils peuvent avancer. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais vous dire le background de cette histoire de Mike. Enveloppe là. Oh, le keyboardiste a fait une petite erreur ici là. Je vais te faire un dernier petit conseil, Stevie. Stevie, on n'a pas arrêté de vous le dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé en fait? Ça dit tout ça sans toi, mais tu viens, tu te mets dans un registre qui te complique. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, donc pourquoi Mike a dit ça? Parce que Stevie, quand il a commencé, il a chanté une de ses compositions. Et ce n'était pas bon. Mike a sauvé beaucoup de gens comme ça. Je peux vous donner au moins des noms où Mike a dit, chante-nous quelque chose d'autre. Et ces personnes-là, ces candidats-là se retrouvent à Malaika House. En partant de livres, en partant de Stevie, il y a beaucoup qui sont à Malaika House à cause de ce fait que Mike leur a demandé de chanter quelque chose. C'est un concours, il faut démontrer vos qualités vocales. Et il est mieux de chanter des chansons déjà connues pour qu'on puisse vraiment voir si vous êtes au-delà de ce que, ou en dessous de la chanson connue. Mais quand vous venez avec une chanson, une propre composition, c'est vrai, on ne peut pas être contre, mais si vous venez avec votre propre composition, soyez sûr que vous la maîtrisez. Mais ici, ça n'a pas été bon. On va écouter encore cette partie où Steve a explosé. Ok, écoutons ça. Écoutons ça, ok? Yeah, you deserve it. Merci.